Et bonjour tout le monde, c'est Auron et Mélophée. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Projet Zomboid. Alors, mon bonhomme a déjà faim, ça commence. Mais on s'était arrêté, on va dire, après avoir trouvé notre petit chez nous, notre maison. Et on en a peiné, on a débarrassé le devant. T'es sûr que c'est ça? Attends, déjà, je vais voir mon pansement là parce que. Santé, blessure bandée, donc là c'est ok. Par contre, il veut des antidouleurs. Là, il en peut plus. Si on est pas assez fatigué, là mon perso commence à s'ennuyer. Est-ce qu'on y va de nuit? Bon, on va aller de nuit. En fait, il y a une petite maison qui a l'air une maison militaire, donc on pourrait peut-être trouver des armes dans le coin. Du coup, on va faire une excursion de nuit. Tout simplement. Voilà, donc on va faire très très attention. Parce que là, on est de nuit, alors je ne sais pas ce qui peut se passer de nuit, si c'est pire ou pas. Pour l'instant, la voie a l'air très très libre. C'est très louche cette histoire. Moi, je dis, il va nous arriver des vertes et des pas mûres. Alors normalement, c'est là-bas, hein. Si je dis pas de bêtises. Tu veux qu'on aille fouiller la maison là ou on va direct à l'objectif? Direct à l'objectif, on peut aller autour. Ok. Je ne sais plus c'est laquelle, je crois que c'est encore au-dessus, hein. Ou alors c'est là. C'est une maison en bois, je crois, non? Ouais, c'est une maison en bois, donc je crois que c'est faut longer par là et ça va être à gauche. On entend juste le vent. Attention, hein. On va rester sur nos gardes. C'est bizarre, il n'y a pas de zombies là. De toute façon, ils sont tous morts. Ouais, c'est ici, Smith. Alors là, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va ouvrir la fenêtre. Hop là. Pour faire moins de bruit. Alors, je ne sais pas c'est quoi cet endroit. Là, c'est un bureau. Crayon. La pêche, niveau intermédiaire. Donc, ça, je vais prendre. Une briquette de jus de fruits. Tiens, je vais les prendre pour notre frigo. Voilà, déplacé dans le grand sac de randonnée. Le ketchup, je crois pas qu'on en a besoin pour l'instant. Y a rien d'autre. En fait, je suis assez déçu là de la maison. Je pensais qu'on allait trouver des armes ou quoi. En fait, sur la map, on pouvait voir que c'était une espèce de truc militaire ou je ne sais pas. Et au final, bah, on n'a rien. On n'a rien du tout. Enfin, en tout cas, on fait des petites excursions pour le départ, hein. Parce que bon, comme on n'est pas armé, on va pas tenter le diable. Je crois que vers là-bas, c'est les supermarchés. Je sais pas si tu veux qu'on aille voir. Nourriture, on peut en trouver un peu partout. Ouais, Faut donc c'est. trouver des matériels, tout comme du bois Du bois, pour. tout ça? Voilà, bah finalement, c'est trop loin et je pense que nous sommes pas prêts pour le bois. Donc on va faire le tour du pâté de maison, mais on va rester ensemble. Parce que déjà on va apprendre les lieux, déjà identifier là où se trouve notre maison. Ce serait bête de la perdre. Alors là, on va aller voir dedans. Mais je crois que j'allumais le micro-ondes. Alors rat bougie, on dirait qu'il n'y a rien ici. Faut aller voir de l'autre côté. Je suis juste derrière dans la maison. La cuisine pour les nuls. Alors je sais pas si j'en ai un, donc je vais le prendre. Je crois que j'en avais eu un, mais je sais plus si c'était intermédiaire ou pas. Tiroir, y a rien. Batte de baseball. Je la prends. Ah bah ça va être bien. Si on peut les clouter. Je le mets dans le grand sac et je la mettrai dans la maison. Tu pourras la choisir si tu veux. Ou tu la veux tout de suite, c'est comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis. Ah, légèrement fatigué. Mon perso est légèrement fatigué. Un peigne. Des vitamines. Tu les prends? J'en ai déjà, je crois. C'est pas grave, c'est pour stocker après à la maison. Moi, je suis triste. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Bah bravo. Bah, faut lire un livre. Ah, d'accord, un zombie qui traîne là dehors. Je vais aller le découper. C'est là qu'en fait ça va mal finir cette histoire. Ah, j'ai cassé mon couteau. Heureusement que j'en ai d'autres. Ah, il y a des balles sur elle. Non, il y a la totalité, je veux. Ça, on sait jamais. Le pistolet, malgré tout, ça peut être utile. Même si c'est une arme qui pourrait provoquer
un son qui pourrait les attirer et ça. Mais bon. Tu veux qu'on aille dedans? Arrête, en fait, je suis censé être quelqu'un qui peut veiller tard la nuit. Et au final, là, mon bonhomme est déjà fatigué alors qu'on a essayé un peu de dormir juste avant. Le pire, c'est qu'on voit rien. Ah, une scie! Il y a la scie. On peut les réparer, les armes, ou pas? Hein. Donc, je vais garder le couteau de cuisine, sait-on jamais. Donc là, il y a des graines, des planches, un sac de sable vide. Un petit verrou, là. Un code électronique, donc je préfère pas... Ah bah si, ça marche. J'ai dit je préfère pas, puis finalement, je l'ouvre quand même. De toute façon, on va devoir rentrer. On reprendra ça le lendemain matin. En tout cas, on a une scie. On a le tournevis. On a de quoi faire des petites choses. Maintenant, il nous restera que à s'armer. On va repartir. Ah ouais? Mais moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu quelques trucs. Mais faut juste que je fasse attention, moi, à cause de mon... Hein? À cause de... Comment dire? De mon... Ma blessure. Mais là, je crois qu'on est à la banque, en fait, ici. Je crois que c'est la banque. Alors, si vous voulez un crédit, les zombies, c'est mort, c'est fermé. Il y a très peu de choses, hein. Ici, de toute façon, il n'y a rien, mais on peut ressortir. Là, c'est où on revient. Ah non, il y a un étage. Un livre, de la gomme et une poupée. Ouais, c'est on est à la banque. Ah, là, il y a des aliments frais. La cuisine niveau expert. À le prendre, au moins on l'aura. La menuiserie niveau expert. Ça, on le prend malgré tout. Là, je suis en surpoids, là, il me faudra vite que je dépose tout ça. Ça, c'est les toilettes. Des draps, du dentifrice, je ne pense pas que ce soit utile. Hein. Je pense qu'on peut y aller, parce qu'on va être fatigué. Ouais, bah vas-y, on va y aller. Puis le zombie, faut faire gaffe, il a cassé la fenêtre. Voilà, donc bien. On y va. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça peut l'aider. Allez, là on va rentrer. Ça, on ira dodo, puis demain matin je ferai le tri. Donc je crois que c'est par ici qu'il faut aller. On peut couper, mais bon. Peut-être faire très attention quand même. Moi je saute au-dessus des trucs de planche, mais si ça se trouve, je vais me couper le bois. Enfin, je vais me prendre une écharpe et puis je vais mourir. Voilà, notre maison est ici. Non, elle est plus bas la maison. Elle est plus bas. Pas ici. Notre maison est... Ah non. Là, il y a des grandes maisons à explorer, à mon avis. Ça va être pas mal. Regarde, les armes, je vais les mettre ici, là. Là-dedans. Ça va vers en dessous de l'escalier, tu vois, il y a une porte. Je vais les stocker dedans. Le rouleau à tapisserie, ça peut... à pâtisserie, ça peut être comme une arme. Donc ça, je vais la garder parce qu'au cas où mon truc casse. Là, j'ai la batte de baseball. Voilà. En tout cas, mes gens, c'est ici qu'on va se quitter pour cette vidéo. On a survécu à notre nuit. On a fait quand même pas mal d'inventaire. Donc là, notre prochaine étape sera secrète, car nous seuls détenons ce secret. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite et surtout portez-vous bien. Bye bye!